est soufflé dans un sac plein de trous, et ça fait des années que je le connais, j'essaie de le remplir, et ça sort par tous les côtés. Il faut vraiment être courageux. Merci au Tricorne. Tout le monde nous dit, le médiéval on connaît, Napoléon on connaît, 17e il n'y a rien. Il n'y a rien chez nous. On a rien, c'est un nom. Alors pour ceux qui ne sont pas amateurs d'histoire et qui veulent se situer un petit peu, vous allez voir que vous en connaissez presque autant que nous sur l'histoire du 17e. Il y a des personnages importants. Par exemple, ici, à Philippeville, c'est une ville Vauban. Vauban, Louis XIV. Avant Louis XIV, il y a Louis XIII. Louis XIII, ça nous fait penser à quoi? Aux mousquetaires, Cyrano de Bergerac, voilà, d'Artagnan, Cyrano de Bergerac, qui existait vraiment, avant d'être un roman. Il y a aussi ben, Molière, Racine, La Fontaine. Oui, Corneille, il y a qui? La Fontaine, j'ai déjà dit peut-être, les fameux contes, le petit chaperon rouge. Féro. Le petit chaperon rouge, ouais. La Belle au bois dormant. Alors, pas les versions qu'on connaît, c'est un petit peu plus trash. Je vous rappelle que quand le loup il mange la grand-mère, le petit chaperon rouge, le chasseur il vient pas. Point, il est bouffe. Point. La Belle au bois dormant, avant de la réveiller, le prince charmant, il y fait son affaire pendant 2 ans. Hein. Donc on a pas. Là, voilà, ça c'est la version d'origine. Il y a Shakespeare. En Angleterre, il y a Shakespeare. Alors pour ceux qui l'ont pas lu, laissez tomber, ils meurent tous à la fin. Point. Voilà, on va gagner du temps. Voilà, donc c'est quand même le grand siècle. Et nous représentons les milices bourgeoises. Les milices bourgeoises, ça veut dire que on habite le bourg de la ville et on s'occupe de la sécurité. Donc on garde les portes de la ville, on regarde les marchandises si elles sont correctes, si elles sont consommables. On va goûter le vin, on va goûter la bière, on va goûter le briquet. Mais ça, ils sont volontaires. Par contre, la nuit à la porte nord, ça, ils sont pas volontaires. Hein. C'est pour ça que certains d'entre nous portent des grelots. Quand on fait les patrouilles de nuit, si on tombe sur un contrevenant, il nous entend arriver, il se cache, on évite la confrontation et tout le monde est content. Oui, c'est pour ça. Très courageux. Ah oui, parce que si on tombe sur un contrevenant qui fait une bêtise, c'est peut-être notre voisin, notre cousin, le beau-frère, et donc on va éviter les disputes de famille. Vous imaginez à Noël, le bazar après. C'est pareil. Bref, on va commencer par un petit salut des milices, des pays, et voir si la défense de ville est prête à l'artillerie. Alors, ceux d'hier, c'était bon. La mèche est allumée. Bah oui. Alors, c'est de la poudre noire. C'est capricieux. D'abord, un salut. Rassemblez en 3 temps. Et un. Merci. Artillerie. Alors c'est un petit canon de défense de ville qui est très mobile. Il peut tirer 6 coups normalement. Plus un. Coup de feu. Aussi, oui. Papier aussi peut tirer plusieurs coups. Souffle. Ah bah oui. Ça qu'on met un jeune aussi. On va y aller. Vas-y gamin. C'est qu'il y en a un qui tire à blanc et l'autre qui tire à blanc. Trois.
Ça s'appelle le Jeff tranquille, qui souffle tranquillement sa mèche. Ah, c'est un lui qui. Sors ta mèche plus. Hein? Sors plus sa mèche. Et voilà le vieil artilleur. Bon. Ah, à mon avis, c'est le buteur. Ah, ah, ah. Ah. Parkinson n'aide pas. Ah, ah, hein. Ah, ah, c'est ah, le vieux général anglais. Allez, Dan. Allez, Dan. Il a la mèche un peu particulière. Mais c'est quand même. Il a fait une mèche plus longue. Hein. Parce qu'ils sont quand même. Eh, allez. Tu dois faire une mèche plus longue, beaucoup plus longue. Quand on parle de la guerre de 80 ans, c'est pas pour rien. Ah, oh, il faut le temps. Ouais. Voilà pourquoi. Oui, monsieur, je suis d'accord avec vous, ça prend du temps. L'ennemi t'en emporte. Il va falloir prendre. C'est un système comme qui dirait. C'est plus efficace. Mais il faut attendre un peu. Ne passez pas en face du canon. Attendez, ça doit tirer. Allez, bon. 4-1 quand même. Ah, pour Jeff. Vas-y, mon chou. Allez. Allez, gamin. Allez, gamin. Allez. Allez, gamin. Allez, Dan. Ouais, ouais, on s'en va. Allez! Ah, ça va être. Oh! Tu vas appliquer? C'est ton mèche! Non! Il y a une belle cible! Hier, c'était déjà celui-là! Hein. Ouais, 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 ouais! On va condamner le 5. Ouais, celui-là, il va falloir. À mon avis, on vous enfumez sur le pourcentage. Allez, les enfants, mais je sens que les EPI vont devoir y aller. Oui. C'est qui avait voté ça? Tac, hein. Attention, pour le temps de distance. Un kit double. Il peut tout rattraper. Allez, en deuxième semaine. 5, 1. Vas-y, gamin. Passez pas en face. Non, non, ils n'entendent pas. Non, mais ils sont. Une chine. Ça s'appelle une génération perdue. Je sens que ça va y aller. Pas moi. Ça va y aller, ça va y aller. Regarde Jeff tranquille. Je vais la voir, je vais la voir. Et massacrer le gamin. Quel beau goût. Ça fait 12-1. Ouais, c'est bon, c'était bien chargé. Bien ailleurs. Ouais, très bien. Bon, ben, on va devoir travailler. Hein. Ouais, 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 parce que nous, là, maintenant, on finit. Hein. Madame la marquise, il faudra changer de jeune. Hein. Il vise bien ailleurs. Alors, un petit peu d'entraînement avant le combat. Ouais. En garde. Bon, les sous-entendus grand bleu. Alors, premièrement, en escrime, on travaille les pieds. Parce que le sol n'est pas très droit. Parfois. Marchez, marchez, rompez, rompez, marchez deux fois, rompez deux fois, marchez deux fois, rompez, passe en avant, passe en arrière, passe en avant, rompez, passe en arrière, marchez, changez de garde en arrière, bravo. Encouragez-moi! Marchez! Voilà, ça fait des passes. Alors vous, c'est très mauvais. Vous là-bas, là, mais vous non. Très mauvais. Marchez! Marchez deux fois! Rompez deux fois! Marchez deux fois, rompez! Rompez deux fois, marchez! Marchez devant! Ah. Voilà, ça recommence. Il s'est trompé. Chef, il s'est trompé là, le noir et jaune. Ouais, ça m'étonne pas. Mais lui, il est pas. Ne le regardez pas, ne le regardez pas, ça l'encourage. Moi, je dis ça ou je dis rien. Hein. Ça détruit toi alors. Là, ça n'a rien marché. Ça mérite d'être clair. Change de garde en avant. Mais rien compris. Change de garde en arrière, marché. Change de garde en avant, rompé. Allongez le bras. Le bras. Fendez-vous. Redressez, en garde. Alors, bon, pour les pieds, c'est pas mal.
Il y en a certains qui se débrouillent. Moi ça va, pour une fille ça, ça peut. Du coup on a une fille dans nos rangs. C'est son père qui paye. Comment ça se fait? Son père est gouverneur, on est obligé. Moi je fais ce que je peux. Ah ben toi que vous êtes là, Julie. En face. Attends, parce que lui, on peut pas l'encourager, mais elle, on va l'encourager. Ah ouais, maintenant comme ça, ça sera vite réglé. Là. Julie. Oui. Préparation d'attaque. Vous venez l'extérieur en marchant. Vous venez l'extérieur en fondant. Vous prenez en marchant. Vous prenez en fondant. Revers en marchant. Revers en fondant. Rompez deux fois. On voit pas la différence quand elle fend ou quand elle attaque là. Ouais. C'est de la plage, c'est pas de la plage. Quand tu es dans le cul, tu vas voir la différence. Intérieur extérieur marchant. Très distingué pour une intérieur extérieur fendant. Ah oui, trop court. Ah, qu'est-ce que je disais, on voit pas la différence. Il manque 15 cm. Ah ouais. C'est ce que ma grand-mère me disait quand j'étais petit. C'est ce qu'elle dit tous. Pour vos parades. Prime. Seconde. Tierce, quart, quinte inverse, septine, sixte, contre de sixte, octave, contre d'octave, septine, contre de septine, quart, contre de quart, octave, septine, sixte, hop, dégagé, hop, hop, trop court. Peut-être que si elle s'était pendue, pour une fille, c'est pas mal. Bon, monsieur Jean 2, vous venez montrer c'est quoi des parades. Alors ça c'est juste dans l'entraînement, hein, l'échauffement. Alors ben vous avez tous entendu parler dans les films des bottes. Comme la botte de Nevers, c'est pas une botte comme ça, c'est une botte. C'est-à-dire que c'est une préparation d'attaque. On amène l'adversaire là où on a envie et on lui balance une riposte imparable et on le tue. L'escrime est un sport de fainéant. Le but du jeu est de faire rentrer ce morceau-là dans l'autre le plus vite possible. Sans se fatiguer. Comme ça, on va à la taverne. Comme ça, on va à la taverne. Et si on a un deuxième qui se présente, on n'est pas fatigué non plus. On peut le se faire aussi. Non, mais si c'est pour finir comme ça, Jean 2. Tu veux me protéger, j'ai compris. En fait, c'est le manger déjà donné. Tu vas mourir, toi. Ouais. Quelques fois. On peut les compter. Je veux absurde, mon petit camarade, une petite douzaine de fois devant vous. Monsieur Foin. Ravissement. Voilà. Alors, vous avez remarqué qu'en général, les ripostes tombent dans les endroits les plus sensibles où il y a des artères qui passent. C'est le hasard. C'est tout à fait le hasard. Hé hey. Ta aïe. Non. 1-0. Hé ta hop. Ding. 2-0. Ça vous amuse? Non. Compacti. Ouais. Ta ouais. C'est pas que je me laisse faire, c'est que j'ai pas le temps. Hey. Ah oui, donc tu peux pas faire. Je te protège pas, je te le dis. Ah voilà. Hey. Ah ouais. Hey. 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 Mais un coup de pommeau dans les vertèbres, ça fait mal. Allez, hop, allez. Paf. Ah, ça j'aime pas trop. Aïe. Bon, là, j'ai laissé attaquer premier, ça m'a changé la musique, c'est moi qui attaque maintenant. Non, je compte pas de façon. Regarde. Et alors là, le coup de pommeau, en canne, je vais dire. Ramasse tes dents, bouffe la purée à la paille. Tiens, allez, pas vu, celui-là. Allez, pas vu. Ouais, hop, là. 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 Hop, là.
bien. Non, non, aïe, oh, non. Oh, on va, hein. Bon, stop, c'est en option. C'est en option. Oh, ah. Mon ami. Ah. Non, non, hein. J'ai connu plus rapide une fois. Hop, 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 hop. Minute. Oui, je vous laisse. Mais je dégage, regarde comme je me lève bien là-bas. Oh mon dieu! Paf! Oh, mais... Hop! Hop! Eh oui! Non, celle-là elle compte pas. Mais pourquoi celle-ci ne compte pas? Est-ce qu'elle compte? Oui! C'est un mauvais perdant. Exactement, moi j'arrête. Je reste là. Le protocole. Le protocole. Et c'est l'eau chaude. Alors, vous voyez, la durée d'un duel, ça c'est court. C'est paf, paf, pff, mort. Ou vachement blessé. C'est pour ça qu'on pratique l'escrime artistique ou l'escrime de spectacle, qui est basée sur l'escrime ancienne, donc des vraies passes, mais on les fait durer un petit peu plus longtemps, histoire que le spectateur en ait pour son argent, même si l'entrée est gratuite. Mais tiens, Julie, là. Ah, mais c'est ça. Vous voulez pas montrer? Monsieur Jean II. Ah, encore. Ah ouais. Encore vous. Ah, pour le petit gros, tiens. C'est plus lent. C'est la surface de touche qui est plus grande. Aussi. Vous avez mal au bras? Non, j'essaie simplement de me motiver pour être votre femme. Hey. Attention. Wow. Oh. 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 C'est le gros qui a perdu. C'est le gros qui a perdu. Moi j'en ai pas fini. Ah. Chacun son tour. Mes c'est pas ce vous ne couriez pas assez pour fuir. Oh. Vous en avez assez? Non. Non encore. Allez, je vous laisse. Ouais. Là, je vais latter deux fois. Je vais pas l'humilier. Elle le sait. L'important, comme on dit, c'est pas de gagner, c'est humilier l'adversaire. Alors, ben, donc vous avez une démonstration d'escrime artistique. Il faut savoir que le duel est puni de la peine de mort. Parce qu'il y a tellement de morts dans les officiers. Il faut un duel pour un oui, pour un non. Il y a toujours des histoires. Hein. On se bouscule, on se regarde de travers, pas en duel, à mort. Mais Louis XIV a besoin d'officiers pour commander ses troupes. Et donc le duel, en général, on appelle pas ça un duel, mais une rencontre fortuite, par le plus grand des hasards. C'est interdit, mais si on ne s'y présente pas, soit, on n'est plus de la bonne société. Et donc il est de bon ton de dire, on n'a pas fait exprès, d'inviter tout le monde, qu'on voit bien quand c'est présenté au champ de bataille, et on s'envoie ce qu'on appelle le cartel. C'est une petite lettre de provocation avec j'en des mots gentils. Hein? J'en ai un de cartel. Eh bien, on va en faire un. Bon, dites-le au roi du gouverneur parce qu'on va en faire un tout le monde. Et tout à fait par hasard, je vous le demande. Vous n'avez rien vu, hein? Rien entendu. Vous le racontez, déformé, amplifié, mais vous n'étiez pas là. Vous non plus. Monsieur Jean II, encore lui. C'est moi. Encore. Aurait critiqué la façon de messire le chevalier de Savagnan de tenir sa rapière. Alors que monsieur Jean II, fraîchement sorti de l'université. Eh oui. Il était temps. Je parlais d'intelligence tout à l'heure. Se rendait pour la première fois en la salle de maître du Gourdin. Sur ce, messire Savagnan, bretteur de talent. Vous voyez, je suis gentil. Puis envoyer cette lettre suivante à Carcel à monsieur Jean II. Il dit: cher monsieur, au
commettre sottise blessante, il plaira certainement à votre personne de donner leçon publique de l'arme de votre choix. Ce sera avec la plus grande joie que je subirai vos théories à l'heure et à l'endroit voulu. Votre serviteur, le chevalier Savagnin. Dans un élan spontané, sur le conseil de sa maman. Toujours écouter sa maman. Monsieur Jean II se mit en devoir de répondre et de faire montre d'esprit. Un peu de courage aussi. Il répond à l'invitation. Voici le courrier. Monsieur le chevalier, j'ai bien reçu ta lettre. Ici, il fait beau et on s'amuse bien. Suite à ta présente et gentille invitation, j'ai demandé à madame ma mère de préparer mes affaires. Je pense, vu mon manque d'expérience, te donner moins de plaisir que j'en recevrai moi-même lors de cette ultime rencontre. J'espère néanmoins te le mettre bien profond, mon espadon. Bisous, Jean II. Bisous. Avez-vous vos témoins? Oui. Monsieur Jean II, vous avez ça? C'est un faux témoin. C'est mon témoin. Monsieur Messire, vous avez foi. Monsieur Foin. Vous avancez. L'arme choisie sera le pistolet. En pistolet. Allez, le faux témoin. Ça fait. Ah oui, j'ai c'est madame Lambert qui a préparé vos affaires. Tout à fait. J'ai le pistolet en plus, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas normalement, c'est pas ce pistolet-là. Ah si, à moi. Le moi, on m'a donné celui-là. Un pistolet chargé. Ah, il est chargé. Il est chargé. Je l'ai chargé au fromage. Il en plaît. C'est bon, hein? Bon, le pistolet. Ah, le pistolet. Ah, mais quand même. Vous achèverez votre pistolet par la suite. Il n'est pas gros pour rien celui-là. On n'avait dit pas le physique. Messieurs, à vos devoirs. Comme son pistolet. Venez me rejoindre. Dos à dos. Vous reculez de 5 pas. Non. Non, revenez ici. Revenez ici. Vous avancez de 5 pas. Dos à dos. Un, deux, trois, quatre, cinq, retournez-vous. Monsieur Jean II, vous avez l'honneur de tirer le premier. Et pourquoi lui? Parce que. Allez, messieurs, vous l'avez, c'est bon. Oui, c'est bon. Visez bien. Regardez devant vous. Regardez, fermez pas les yeux. Censé viser. Allons, l'autre devant vous. Tu l'as chargé? Le pistolet, oui, pas celui-là. Monsieur Jean II, ne bougez pas! À ouais, vous, messieurs. Il n'y a pas de poutre, hein. C'est à mon tour. J'espère qu'il va vous rater, il faut pas que. Oh le con! C'est lui! Mais pourquoi moi? Voilà, j'ai rien. Mais quel maladroit vous faites? C'est pas visé, non? Voilà, un faux témoin. Bon, puisque la première arme choisie n'a pas fonctionné, prenez votre pierre, messieurs. Défendez votre honneur. Jean II, votre pierre. Ah, je suis pas payé pour ça. Oh oui, il est blessé. Ça fait mal. Allez, assis. On s'assied. En garde. Je sais ce que ça fait. Oui, je me doute, oui. Au gant. Oui. Salut des cadets de Gascogne. Viens. Ah, mais je suis pas payé pour ça non plus, hein! Bah, vous êtes aussi maladroit que l'autre, hein! Allez, reprenez ça! Ah, sauvage! C'est plus personnel! C'est plus société! Bon, t'as tout bien apporté! Bon, je m'arrêterai!
On va y mettre un terme pendant pour 3 jours. Messieurs, il a plus d'éducation, un peu. On va te la garder. Non, finalement, non, non. Non, 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 garde-la, c'est bon. Allez, messieurs. Un moment. D'abord le manteau. Voilà. Oh. Et on dit que les femmes sont lentes. Hein. Le chapeau. Oh. Il n'a plus de cheveux en dessous qu'au-dessus. Hein. Oh, mon chapeau. Oh. Non. Ça brille au soleil. Hein, monsieur. Non, point de père. Oui, mais. Alors, attends, je te montre c'est quoi la classe. Je fais lentement l'abandon du gros manteau qui me calfeutre. Hop là. Et je jette avec grâce mon feutre. C'est du répéter, on a déjà entendu ça ailleurs par quelqu'un d'autre. Alors on se plaint de moi, mais vous qui essayez de masquer. Toi tu la ramènes pas. Hein. Ah, bon, je le vaux bien. Jour 2, je te rappelle ce spectacle. On avait prévu que c'était pas rien, c'est dimanche, tout ça, les enfants. Spectacle. Spectacle. Ok, on s'en fout. Un peu quétain, mais spectacle. Ok, ça va. Oh, garde, coquin. Eh, ouais. Mais ça va pas, non? Tu avais dit doucement! Oh, tu dis spectacle! Pièce ou quoi? Tu te calmes, hein? Spectacle, brutille! Spectacle! Spectacle! Voilà. Doucement? Voilà, doucement, spectacle, on est relax, c'est dimanche! Doucement alors! Oh, garde, coquin! Ça doit être l'âge aussi! Ouais! Ah, là. Oh! Oui, mais non. Là, ça va se voir que c'est truqué. Hein. Non, non, on n'y croit pas du tout. Non, on n'y croit pas. Non, mais il faut que ça doucement, mais un peu viril quand même, tu vois. D'accord. On n'est pas à la cour. Pourtant, je me suis soudé. Ah, ouais. Attention. Ha ha. En garde, coquin. Hé, hé. Doucement et viril, c'est viril. Ah, toi, c'est piano forte, connais pas. Hein, c'est, soit tu fais ça dans le miroir, ou alors dans le côté. Jamais content. Tu sais pas essayer de me faire une espèce de balance là. Ah, bah, tu sais, hier, le monsieur là-bas en bout. Oui. Mais tu. Mais... Pas de balance comme ça. Il en manque. Non, il est là. Non, il est là. Il est là. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Là, voilà. Donc j'ai une espèce de. Hein. Oh, garde, coquin. Ah, ah. Oh, un oiseau bleu. On l'a refait. Oh, un oiseau bleu. Oh. On l'a refait. Oh, un oiseau bleu. Ah. Hop là. Ah. 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 Il a bien cherché. Il a bien évité. En plus, il n'a pas mordu. Il fait semblant. Mais qui c'est qu'elle a l'âme maintenant? Qui c'est qu'elle a de l'âme? Appelle-moi Ginette. Non, Ginette. Non. Ah, mais là tu la reprends, mais doucement. 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 On a dit doucement. Quand il a compris, il va faire doucement maintenant. Doucement. Allez, doucement. Non, non, t'as rien. Sortez-vous les doigts du. Ah là, il en manque un. Hein. Là, il en manque.
Ah, ils sont tous morts, voilà. C'est ça, ça fait mal. Ah ouais, bah, ça fait mal. Ah, quoi? Ah bah oui, comme ça m'en a pour tout, hein, ça. C'est une horreur. N'est-ce pas? Allez. Regardez votre main. Mais moi j'ai mal. Oui, j'en doute pas. Ouais. Mais l'odeur doit pas être mieux. Oh non, là il y a deux. Voilà. Oh, ça a mal. Bon, alors c'est une belle position, je crois. Oh, je vous remercie. Hein, une belle position de scrim. On sait d'où ça vient maintenant. N'est-ce pas? En garde, coquin. Oh. Yeah! Et la moumou, et la moumou. Non, la non, 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 non. La moustache, la moustache, la moustache. Non, pas la moustache. Devant cette victoire éclatante, je vous pardonne vos offenses, comme nous pardonnons aussi. Ah non, c'est pas le même. Et donc, devant la foule en délire, nous allons saluer le public. Je dis, j'en prie, une ovation. Un triomphe! La gloire! L'honneur de ces deux bretteurs est sauf. Ils ne sont pas blessés. Ils sont aussi se battre. Nous allons terminer par des saluts, messieurs. Par des saluts, évidemment. Le protocole. On va citer. J'essaye une chose. Non, on marche plus celle-là. En deux lignes. Très bien. Je vous mets devant. Vous mettez devant. En deux lignes. Il y a, comme ça, des vétérans. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Faut pas dire des vieux. Oh non, je veux pas être à côté d'elle, encore me faire mal. Et donc, il est déjà, je vais dire, on se salue avant le combat, on se salue après, enfin celui qui est vivant. Et donc le salut renseigne sur l'école d'escrime d'où l'on vient. Et suivant le salut, vous dites, tiens, on est mal barré. Le gars qui nous salue comme ça, qui fait coucou, t'en vas aller. Alors on va commencer par un salut en trois temps, rassemblés. Et un salut en sept temps, suivi d'un salut des cadets de Gascogne. Et un. Ouais. Ouais. Et un. Alors, quand un cadet de Gascogne vous salue comme ça, c'est déjà mal parti. Après 7 ans de cadet, on peut devenir mousquetaire. Oh, salut les mousquetaires! Salut en 16 temps, à deux armes. Je suis dans le peut-être. Ça risque. Et un. On voit de vous, monsieur Gouerne. C'est la première fois que tu t'en fous du tout, mais dans le sol, je ne peux pas te tromper. On garde. Je vous rappelle que le bar est encore ouvert. J'espère qu'on vous a passé le temps un petit peu. Merci à tous en tout cas d'être venus, parce que c'est notre première invitation à Philippe Ville. Merci encore à Alain, merci à Guillaume pour sa gentille invitation. Avec plaisir. J'espère qu'on remettra ça assez vite. Bien sûr. Donc voilà, on va vous laisser. Vous pouvez encore passer au temps. On est encore là, poser des questions, chipoter, regarder les arbres, la mouche, l'éventail, etc. En attendant, en garde et spectacle interactif. Chargez voilà. Et merci aussi à la télé, je vous disais. Oh, merci à la télé. Et pour Jeff.
Et pour Jeff, les pipes, hurrah! Et pour Jeff, un applaudissement!